nous revoici à Bécon-les-Granites avec David Lumet, l'organisateur du Show Lumet. Nous sommes exactement à J-2 mois, parce qu'on rappelle que le Show Lumet cette année se déroulera le 27 juillet. David, merci de nous accueillir. On est à J-2 mois. Tu nous avais prévenu que le catalogue serait terminé et que, viens avec nous, on va se promener un petit peu, que le catalogue serait bouclé et que les chevaux seraient arrivés 2 mois pile poil avant le jour J. Où en est-on ? Alors, on les a quasiment tous reçus. Il en reste 2 ou 3 qui sont peut-être un peu plus chez des confrères qui me donnent un coup de main pour, parce que c'est pas évident de tout prendre d'un coup d'un seul. Mais d'ici la semaine prochaine, ils seront tous présents à l'écurie. Donc, on est pile poil dans les temps. Combien on a de chevaux ? Cette année, on est à 64 chevaux. D'accord. Normalement, c'est 60, 65, donc 64, c'est bien. Ouais, mais grosse demande cette année avec des papiers très intéressants. Je ne pouvais pas les refuser. Ah oui, d'accord. Bah, c'est bien. Toujours beaucoup plus de 2 ans que de 3 ans, j'imagine ? Ouais, les 3 ans, parce qu'on est plus exigeant sur, sur leur passé. C'est des chevaux que j'ai tous su quasiment à l'écurie. Mmh. Et voilà, je vérifie bien qu'ils sont bien store, qu'ils n'ont pas été sur les centres d'entraînement. Ouais, donc on les connaît vraiment. Par contre, ils sont vraiment de qualité. Là, on a vraiment des 3 ans, vraiment de qualité. D'accord, super. Une dizaine de 3 ans, une cinquantaine de... 5 ou 6 3 ans, pas 5 plus. 5 ou 6 3 ans, pas plus. Mais vraiment des bons modèles, des choses vraiment très intéressantes. D'accord, génial. Alors, donc tu parlais des pédigrés. Qu'est-ce que tu peux nous donner de quoi nous allécher un peu ? Alors, il a sa liste. Gary Duchesnel. Ah, formidable. Castel du Berlet. Mais il n'y a pas que ça. On a du Goliath, du Great Pretender, du Cap-Garde. Cap-Garde, plusieurs Cap-Garde. Du Nirvana, du Beaumet, Moïsas, du Bâtiron, Ichino, Spanimoon. Voilà, on a vraiment du Forfun. Deux très beaux, très très beaux Forfun. Bah, il n'y en a pas beaucoup, du coup. Il n'y en a pas beaucoup. Une femelle et un hongre qui sont vraiment avec du modèle. Voilà, ceux-là, D'accord. Ça, c'est pour moi ça. Ouais. Bon, super. Pour la vente, le profil des chevaux que tu cherches, bon, tu vas me dire le mieux possible, mais avec les évolutions, quels sont un peu des chevaux de pédigré d'obstacles purs ou tu dis Faire sauter. Très peu, quasiment pas de papier de plat. Moi, avant d'ouvrir le bouquin, je regarde où ils sont nés, ou qu'est-ce qu'ils ont mangé, le haras, où ils sont nés, et surtout le modèle, la locomotion. Voilà, je viens du concours hippique, je veux que le dos fonctionne, je veux que ça bouge, un peu de masse, et généralement, quand on a ça, ça saute quoi. Ça c'est le physique, la locomotion, la locomotion d'abord, l'animal avant le papier. Et puis les aplombs bien sûr, il faut pas qu'il y ait de bosse et tout. Mais vraiment des chevaux qui font un peu taper, qui font envie. Ben, des chevaux qui font envie d'abord. Alors aujourd'hui donc, 2 mois. Pourquoi 2 mois d'ailleurs? Et qu'est-ce qu'ils vont faire du coup pendant ces 2 mois? Ça reste quand même une brise up à l'obstacle, ça prend un peu de temps. Pendant 2 mois, ils vont faire. Là, les 3 prochaines semaines, c'est du footing, c'est du long élan. Vraiment, on fait du muscle, de la masse, du rebond, etc. Du dressage de base, bien sûr, sur la carrière. Et ensuite, on va sautiller des petites bricoles de rien du tout pour leur apprendre le geste et pour pouvoir les présenter devant tes caméras d'ici 6 semaines. Quoi. D'accord. On travaille très peu les canters. On va faire un coup le tournoi à la ligne droite, mais on vend plutôt une aptitude plutôt qu'une performance. Les 2 ans, en fait, tous les 2 ans sont capables de faire 400 mètres à fond, ça sert à rien. Ce qu'on veut, on veut les voir fonctionner, le dos en place. Donc voilà, ce qu'on veut faire, c'est des chevaux qui galopent en ordre et pas être au-dessus de leur train pour qu'ils souffrent de partout. Quoi. C'est ce qu'on recherche. D'accord, on vient donc en progression. C'est une brise-up d'obstacles, mais c'est pas comme les brise-up de plat. Interdit chez moi. Pas à cet âge-là. Ouais. Et ils vont pas courir 3 mois après. Et personnellement, je vois pas l'intérêt sur ces chevaux-là de les pincer et de les ouvrir dans tous les sens. Quoi. On va suivre évidemment sur Francir les évolutions de ces chevaux. On va d'ailleurs trouver un fil rouge, mais tu ne l'as peut-être pas encore choisi. Tu as besoin d'absolument tous les voir avant de prendre ta décision finale. Les prochains rendez-vous, donc on va être ensemble tout au long du mois de juin. Et puis après, au mois de juillet, donc les photographies, c'est toujours que 3 semaines avant, donc ce sera la première semaine de juillet du coup. Une dizaine de jours avant, on les verra sauter. Donc ça peut être une dizaine de jours. Et le jour J, on les fait quand même jeter les jambes. C'est-à-dire qu'on les voit fonctionner au pas aux 3 allures, au pas au trot au galop. Et puis on fera effectivement le tournant à la ligne droite pour les voir un petit peu se déplier. Et voilà, et c'est intéressant de les voir bouger. Voilà, les gens vont se faire leur propre idée aussi. Mais un exercice sur lequel ils n'ont pas été dressés pour. Non, c'est vraiment par nature, par le gaz, le talent. On le fait une fois avant, 6 jours avant. Oui, mais ça ne change rien. Si jamais on fait ça, pour les travailler pour ce jour-là, on va les... C'est pas possible. C'est pas le but. L'idée, c'est de les présenter en bonne santé, pas de jarre, pas de chine. Donc, on préserve le physique. C'est du pré-entraînement. Mm-hmm. C'est du pré-entraînement qu'on fait là. D'accord. Il faut des animaux en bonne santé. C'est déjà pas si mal de tous les présenter comme ça.
avec bien sûr le partenariat de Dinavena, je crois que c'est assez visible parce qu'il y a un suivi. Ils sont là aujourd'hui, les gars, d'ailleurs, les gars de Dinavena. Tous les 15 jours, Laurent Thibault, pardon, il check tous les chevaux un par un. On affine avec leurs produits qui sont vraiment de très bonne qualité. Ce qui nous permet de nous présenter sur le ring des chevaux avec bonne gueule, joli poil et en bonne forme. Merci David et à très bientôt. À très bientôt. On va se revoir. Merci David. Merci.